Meghan et Harry, encore des câlins en public incorrigibles. Les élans d'affection californiens de Meghan Markle auraient-ils déteint sur le prince Harry / Le duc et la duchesse de Sussex sont, encore, étaient pris en flagrant délit de câlins lundi 24 septembre, alors que le couple était à l'université de Loughborough à l'occasion des Coach Corps Avars. Sur le terrain de basket, ils se sont tous deux amusés à lancer le ballon, Meghan Markle juché sur ses talons hauts qui ne l'ont pas arrêté sur sa lancée. Après une passe réussie par le prince Harry, celui-ci s'est empressé d'aller prendre sa bien-aimée dans ses bras. Une démonstration d'affection très américaine et mais pas du tout protocolaire. On n'a en effet jamais vu William et Kate se câliner en public, encore moins la reine et le prince Philippe. Un simple effleurement de la main n'est même pas toléré. Voir Meghan et Harry se laisser aller à tant d'effusions est donc plutôt étonnant, mais pas nouveau. On les a vus main dans la main en marge des Invictus Games en septembre 2017. Ils n'étaient même pas encore mariés / très proches lors de l'officialisation de leur fiançailles 2 mois plus tard, très tactiles en apparition officielle début décembre, bras dessous alors qu'ils assistaient à la messe de Noël à Sandringham, le 25 décembre 2017, sans compter les mots doux susurrés tendrement à l'oreille. Et le 26 juillet dernier, Meghan et Harry ont même offert au photographe un vrai baiser fougueux, digne d'une comédie romantique hollywoodienne, alors qu'ils étaient à un match de polo caritatif. Un couple qui ose bouleverser les traditions de la monarchie britannique.